vers les 15 heures passées, j'ai reçu un coup de fil du premier responsable de la commune urbaine de Cancan, en l'occurrence M. Mori Diakité, m'alertant qu'il y a un corps dans une case dans le quartier Gare, secteur 2. Immédiatement, il m'a mis un rapport avec le procureur. J'étais déjà à l'hôpital, en activité. Je me suis déplacé et j'ai trouvé sur place les autorités de répression. Je vais parler de la police. Immédiatement, on a pris la disposition comme quoi la Croix-Rouge, l'hôpital, le médecin légiste pour les analyses médicales. Alors nous sommes sur le terrain, mais il nous a été rapporté par la famille que le monsieur est un chauffeur de profession, il s'appelle Kourouma, et ça fait à peine depuis le 31 qu'il était perdu de vue. Et pour cela, on a eu pas mal d'amertume. En tout cas, nous parlons avec un pincement au cœur. Quand quelqu'un est perdu de vue à partir du 31, du 31 aujourd'hui, ça fait 5 jours. Nous avons en place autorité.